des amis, de Mito. Nous sommes tous là avec vous aujourd'hui. Et il y en a encore certainement d'autres qui auraient bien voulu venir et qui n'ont pas pu aujourd'hui. Et ils sont en union de pensée et de prière avec nous. Notre peine à tous est grande. Toute la communauté, bien sûr, manouche est frappée par le malheur qui vous arrive. Mais aussi, bien sûr, tous les gadjés qui connaissaient Mito et qui sont là aussi aujourd'hui. C'est normal que nous soyons tous tristes, marqués par le deuil et la peine. Car c'est vrai, le temps de la peine pour nous est venu. Mais en même temps, notre présence à tous aujourd'hui, à vos côtés et aux côtés de Mito, est le signe de ce Dieu qui reste debout, présent à vos côtés au cœur de cette épreuve. Et c'est bien le sens de ce cierge pascal, debout, tout à côté de Mito, le signe du Christ ressuscité, auquel tout à l'heure Titine a allumé la lumière autour de Mito. Dans la lecture que Bambolo nous a lue, saint Paul nous dit « Frères, au sujet de la mort, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Il ne nous dit pas « Il ne faut pas que vous soyez tristes. » Bien sûr que nous sommes tristes et c'est bien normal. C'est bien naturel, et nous le serons encore longtemps. Mais il nous dit, il ne faut pas que vous soyez abattus. Abattu, ce n'est pas la même chose. Abattu, c'est celui qui est à terre et qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus se relever. Or, les chrétiens croient que l'homme à terre est aimé profondément et relevé par Dieu lui-même. C'est pourquoi, c'est vrai, on peut être triste, mais la peur de la mort, elle, n'est pas chrétienne. Jésus lui-même, au moment où il va mourir, où toutes les ténèbres, même celles du doute, vont l'envahir, voilà qu'il dit à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jésus veut nous dire par là, que si nous lui faisons confiance, si nous gardons notre confiance en lui, alors l'Esprit de Dieu, Esprit de lumière et de force, habite en nous.
Et il y a
Parce que Paul nous dit, il n'y a pas de mort pour ceux qui sont en Christ. Et Mito, il était avec Jésus. Parce que c'est quelqu'un de saint, quelqu'un de bon. Et moi, j'ai connu Mito, j'avais 17 ans. Avec le père Irénée, j'étais venu me prier par l'évangile. Il y avait son frère qui l'a appris Mito, et puis il y a des marques de la vie, des années de ça. Et quand j'arrivais tout prochain, le père Irénée, j'ai vu qu'il y avait cet élément en ouf. Je sentais que j'étais bien, que j'étais en famille, que j'étais en église. Et puis quelque part, j'avais 17 ans de ça pendant quelques années. C'est ça l'église, ça veut dire une assemblée de gens qui servent. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'avais quelque part, par le baptême dans l'église, il y avait accepté de devenir mon frère. Et puis sa simplicité. La simplicité, comme je le disais, à la soie par moi, alors que le pèlerinage. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde, je suis là, qui parle en chant, on fait plein de choses pour l'ordre. On a appris à bouger davantage dans l'église. Parce qu'il y a plein de gens qui quittent l'église, qui les amènent dans la Vierge Marie ou les saints. Mais l'église, c'est l'église de Jésus qui a donné à nous. Tu es bien sûr, je partirai de mon église, et je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est venu avec toute la famille, il va les accompagner. Parce que même Jésus l'a pleuré pour ce qu'on a fait. Et quelque part, comme la parole de Dieu qui nous a dit, notre frère, vous devrez laisser en espérance, même si on est triste, on sait qu'il est vivant, qu'il est vivant pour le Seigneur. Parce que tout ce temps qu'on a appris, à partir de cette vie, je dirais, on est appelé à être chrétien, d'être comme Jésus. Et ça, c'est l'amour. Aujourd'hui, comme je vous dis, il y a plein de gens qui quittent l'église, il y a des gens qui prient, qui font cette vie. On voit tous les vieux chez nous avant, ils n'avaient même pas les écrire. Ils avaient purifié par l'église, mais ils avaient une simplicité extraordinaire, un partage extraordinaire. Et c'est simplement le légal. Les vieux nous ont aussi autant problème pour des moments où je dis la. Ils avaient un cœur simple, ils savaient partager, ils savaient aimer. Parce qu'on peut parler jusqu'à demain, mais si on ne parle quelque part, si on n'est pas simple dans son cœur, dans la beauté. Les mythos, c'est quelqu'un de simple. Quelqu'un de bon et puis ben, le Seigneur a ouvert les portes. Et puis il est vivant. Et puis on le sait, on est bien souvent dans la vie, comme si on va vivre une éternité maintenant. Sur cette terre, on n'est que le passage. Et puis il faut savoir que si on prend chemin avec le bordel, avec la Vierge Marie qui tous les saints, ben, le Seigneur nous attendra, et nous aussi nous attendra pour la vie éternelle. Et moi, ce que je demande au bordel, c'est que. Mito est intercédé près du bordel pour qu'on puisse continuer le chemin, pour que sa famille continue le chemin. Parce qu'un jour, après nous aussi, on retrouvera, et on retrouvera tous ceux qui sont déjà avec vous et avec tous les saints. Alors Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné notre frère Mito, qui était d'une simplicité extraordinaire. Merci, Père.
appareils de télévision jusqu'à la prochaine émission de Sur M. Lucien.